Ça passe pour l'SV Club. Après sa victoire 3-1 à domicile à l'aller, le club de Kinshasa a connu quelques frayeurs, mais il a ramené le nul du Maroc contre la Renaissance Berkane. Un but partout, les dimanches 23 septembre 2018, en quart de finale retour pour valider son billet pour les demi-finales de la Coupe de la CAF. Devant au tableau d'affichage, à la suite d'un but rapide de la tête du Burkinabé Alain Traoré à la 6e minute soit, la RS Berkane y a cru et a longtemps poussé pour inscrire un second but qui lui aurait permis de renverser la vapeur. Il fallait attendre la 87e minute pour voir Fabrice Ngoma finalement arracher l'égalisation pour mettre fin au suspense et envoyer Florent Ibengué et sa bande en demi où ils affronteront les Égyptiens d'Al-Masri. Le champion de la République démocratique du Congo n'a pas d'autre alternative à cette étape de la compétition que de défendre son statut en marquant d'un son indélébile son nom dans les annales de la CAF. Les dauphins noirs de Kinshasa sont mieux aguerris avec un arsenal riche et sont prêts à réécrire une nouvelle page de leur histoire. Pour ce faire, Makoussou, Lukong, Djuma, Dukapel et autres sont valables pour exploser. Ainsi, le vœu du peuple congolais demeure le succès tout azimut et la qualification à la grande finale afin de marquer plus de points encore à la CAF. Seul le réalisme paiera.